Eh bien, salut mes loulous, c'est XVSK, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un petit Outlast. Bref, on s'était laissé juste ici, devant ce truc quoi. Et bon, d'après Para, je risque d'en chier pas mal. Parce qu'on en a un peu parlé hier, apparemment il dit que on toucherait presque à la fin du jeu et que je vais très certainement me faire dessus ici. Y'a pas de toit? Non, y'a pas de toit. Y'a pas de toit, tout à fait. Oula! D'accord, tu veux pas que je passe? C'est pas grave, mec. C'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. Si tu veux pas que je passe, je passerai pas. Bon. Bon, on va aller voir ce qui nous attend ici. Par contre, il me reste que 5 piles, donc on a intérêt à faire un peu gaffe. Un truc qui brille là. Non. Oula, on voit pas grand chose. Une échelle. Pointons là. Et prions qu'il n'y a rien en haut. Oh, les effets de foot sont pas mal. Bonjour. Bon. Alex, jump. Voilà. Par où je dois aller là, c'est la question. Je dois descendre. Non, non, c'était par là. Ok. Yep. Bloup, bloup, bloup. Bon, je suppose que là, je vais prendre la corniche. Ça me fait peur parce que j'ai plus que 5 piles donc. Ça me fait angoisser un peu. Oh voilà. Bon. Question, je vais passer où là? C'était là-bas, non. Là-bas, c'est clairement trop loin pour que je puisse l'atteindre. C'est quoi ça? Bon, monsieur? Ça c'est fermé, tant mieux. Juste à me dire que je vais passer là. Non. Allez, hop. Voilà. J'aime pas quand même dire que ça stoppe comme ça d'un coup. Ça m'angoisse. Ça je m'en doute que je vais partir monsieur, mais malheureusement. Les développeurs vont pas vouloir que je parte avant un bon moment. Prions que la porte ici s'ouvre. Je sais que non, ça s'ouvre pas. On va recharger les piles. C'est quand même marrant qu'avec une seule pile, le gars il arrive quand même à. Tu vois son fantôme. C'est bien. Moi je vous avouerai que les fantômes c'est pas ce qui m'enchante le plus. Hein. J'y vais, trace de sang. Il est un peu mort. D'accord, je te laisse. Pas d'inquiétude, mec. Reste tout nu dans ton coin. Moi, ça me dérange pas que tu restes tout nu dans ton coin. T'as des piles quelque part. Pourquoi ça pue ici? J'espère qu'on va pas rencontrer quelqu'un que je connais. Ah bah si, j'entends une musique étrange. Je veux pas me laisser un peu de répit là, dans un autre. Ah bah super. Voilà. Putain mec, pourquoi est-ce que tu te fais chier à faire tout ça alors que t'aurais pu repartir directement? Tu aurais réglé tous tes problèmes. Mais non, toi t'as voulu rester hein.
Ça parce qu'il y avait un vieux prêtre tout fifou qui... qui voulait faire le fifou et maintenant bah t'es en train de payer les pots cassés. Vieux con là. Faut que je descende. Sérieux. Bon bah si faut descendre. Ça servait à quoi en fait de venir ici? Oh non! Et pas que je suis descendu comme un débile. Bon, je suis en train de griller mes piles pour rien, c'est super. Je vois que je me sens un peu mal ici. Si je trouve pas de piles, je vais avoir l'air bien bête. Oula, mais je vois rien. On voit pas à 10 mètres là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des murs. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi c'est des trucs comme ça ici? En train de me dire que cette zone ne sert à rien, que je suis venu pour rien. Mais attendez, je me suis fait baiser là ou quoi? Putain, j'aimerais bien que la foudre retombe un coup pour que je puisse voir où il faut que j'aille. Mais... ah. Parce que nous on aime courir. Putain. Chiant ce con. Merde. Ah bah logiquement là il est reparti. Faut juste que je trouve l'endroit où aller maintenant. Ouais. Putain, j'entends griller mes piles là. Par là. Oh non, t'es sérieux que je reviens ici? C'est quoi cet embrouille là? Hein? Je comprends pas là, faut que j'aille où? Ça servait à quoi que j'aille là-bas si au final ça me faisait revenir en arrière? Donc à mon avis. C'était bon. Alors en fait, fallait pas que j'aille tout droit, fallait que j'aille à droite. Oh le bla. Regardez-le là, ce coup. Pourquoi vous avouez que je suis pas très chaud? Voilà. Enfin un peu de liberté. J'espère. Ça va pas être une fausse liberté. Allez hop. Ah bah oui, la porte est fermée bien sûr. Donc je rentre comment? Ah, par là, d'accord. Ah ouais. Bah c'est joli.
Bon, ben c'est pas tout ça, mais moi je veux rentrer vite fait là, s'il vous plaît. You saw the wall rider, didn't you? Oui, je l'ai vu. Beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon. Pas une pile dans le coin là. Ah. Il y a un monsieur au fond. Je me casse. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a la porte qui est à moitié ouverte aussi? La question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a une pile? Ça me pète les couilles là, je vous avouerai. Je suis moyennement chaud pour aller par là, donc on va aller par là. Ce bruit. Bien sûr, la grille est fermée, hein. Ah, oh putain. M'énerve ce bruit là. Oh merde, bonjour monsieur. D'accord, d'accord. Pas de problème. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Que je peux le passer? Oui, je peux le passer. On va monter. Et on peut pas monter. Pourtant, il faut monter. Voilà. Ça annonce rien qui vaille. Ça commence à me faire mal au dos cette histoire. Oui, bien sûr, en passant par en haut. Ah, c'est bien beau ici, dis donc. Bon, par là, je suis quasi sûr qu'on peut passer. Pas des piles dans le coin, quelque chose. Ah. Nécessite 3 fusibles. Oh putain. C'est quoi, Barter? Une pile? Ouais, je vais pas me planquer, qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est de l'eau, d'accord. Je pensais que c'était un truc, mais apparemment, non. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Ça, on pourra pas le déplacer de façon. Ah. Yeah, 2 piles.
Qu'est-ce que tu me veux, toi? Salut. Tiens, bim. Putain, je vais faire comment pour me planquer, moi? Non. Pas là. Énorme. Chute. Putain, chier. On va se faire chier à trouver trois fusils. Remarque, si c'est juste trois petits fusils à la con. Et qu'il n'y a pas de gros gardes à tuer, j'ai envie de dire, je m'en moque un peu. Et si c'est trois fusibles. Merde. Viens, viens, viens. Viens, on va jouer. On va jouer. Viens. Et vous le sentez venir lui avec son couteau de boucher là? Le fusil qui est juste à côté quoi. Bon, attendez un instant. Oh, oh sa mère. La question que je me pose c'est où est le troisième fusible? Vous avez l'air gentil monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi le fusil. Ah, j'ai pas l'air d'avoir apprécié. Bon, par où je dois aller maintenant, c'est la question. Ah bah je peux pas. J'ai déjà plus d'où je viens. Fait comment quand on sait plus d'où on vient? Oh fuck! Où tu sors, fils de pute là? Oh, oh merde! Oh merde! Bonjour! Salut! Bon, je vais centre. Oh merde, loupé. Ah bah, je suis pas doué, moi. Là, je crois que vous avez le droit de le dire, je suis vraiment pas doué. Hop! Je te fais ma porte au nez, moi. Je me casse. Hop. Et je m'en vais. Bon. Ça fait deux fusibles sur trois. La question c'est où est le troisième fusible? C'est le plus dur en fait, c'est de savoir où est le putain de troisième fusible. Je l'ai sûrement passé sans le vouloir. Elle doit être ici en fait. Peut-être pas. Que je n'ai pas, je le pense. T'es encore là, toi? Si, 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 si. Quoi? Je suis pas là. Oui, je joue à cache-cache, alors. Aïe. Le troisième fusible.
Attendons, voyons voir. Oh putain, voilà, il doit couper et tout, c'est dégueulasse. Apparemment, il n'y en aura pas. Putain. Sérieux, ce jeu. Faudra m'expliquer pourquoi j'ai eu la bonté de le faire. Parce que oui, on parle de bonté, là. Parce que moi, je supporte pas le genre du jeu d'horreur. Ah bah super. J'ai comment pour récupérer la clé maintenant? Faut que je redescende. J'ai tellement envie de descendre, vous voyez. J'ai envie de rester ici, près de l'ascenseur. Parce que là... Oh, voilà, est-ce que j'ai mal aux yeux à force de regarder ce jeu. Bon. Vu qu'apparemment faut descendre, on va descendre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien. On va tomber sur quoi en bas? Que je rigole. Là. Juste un mec qui se tape la tête, d'accord. Rien en bas en fait, à part un dossier. Alors qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est un peu relou ça. Donc on va faire tomber le truc. Qu'est-ce qu'il est marqué? Rejoignez le permatin au niveau supérieur. Bah oui, je veux bien le rejoindre au niveau supérieur, mais... Je sais déjà pas par où faut aller. Ça va pas m'aider, à moins que j'ai eu la clé. Non. C'est quoi cet embrouille? C'est quoi le renouvellement? Y'a rien. Ça va se fermer direct. Attendez, est-ce que j'ai appuyé sur le bouton? Clé? C'est quoi ce bruit? D'accord pour ce bruit. On va retourner par là alors. On a eu d'avoir un truc que j'ai loupé. Ils sont plus là. Donc ça veut dire que c'est pas en haut. Alors c'est où? Putain. Je suis descendu, j'ai rien vu. Ah d'accord, je peux pas passer. Accueillez le Wall Rider. Non, à mon avis, il fallait vraiment que je descende.
La question c'est où est tombée cette putain de clé. C'est une bonne question, mon cher Sherlock. Bon, on va aller voir. Même si je suis à moitié chaud pour aller voir. Alors, où la lumière ici? Ici c'est pas ouvrable, je suppose. Ici c'est pas ouvrable non plus, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, des piles! Pourquoi je peux pas les prendre? Merci. Toujours fermé. C'est bizarre parce que je pouvais pas réappuyer sur le bouton pour. Ça, je suis pas un crétin, moi. Ah, t'es ici, voilà. Laisse-moi en paix. Bon. Maintenant qu'on a la clé, j'ai une question. À quoi elle sert? Peut-être activer l'ascenseur. Ah, je le savais, ça. Oups. Excuse-moi, mec. T'es pas contre toi, hein. Ah, tu vas faire quoi, maintenant? Tu vas sauter? Hein, petit con? Non, je peux l'ascenseur. Ça ouvre rien, mais à quoi elle servait, cette clé? Peut-être la grille au fond. J'aime pas trop ça quand je sais pas où aller. À quoi servait cette clé? C'est quoi ce bruit là? D'accord. Toujours pas ouvrable ici. Là, il y a que le cadavre. Alors, elle sert à quoi? Elle est tâche. La clé d'accès au niveau 3. On est au niveau 3, non? On avait un truc que j'ai pas vu quelque part. De s'ouvrir. Mais où? C'est la question. Mais où? Voilà, dernière nouvelle. Putain. À quoi sert cette clé? Quelle porte des toits t'elle ouvrir? C'est clair et net, y'a rien là-bas. Bon. Oui, je sais, je me repère aussi bien que dans Slenderman. Je sais, on me fait souvent la réflexion. Activer ton putain de fusible. Si je veux monter, logiquement, je dois être par là. Pour continuer à monter, c'est par là. À moins que. Petite blague. L'avantage, c'est qu'on n'a pas encore eu le gros. On va proprement parler. Suivez les traces de sang. Bah oui, bien sûr. Oh, des piles! Ça tombe bien, j'en avais plus. Tout envisage d'aller par là, peut-être. De toute façon, le jeu a dit suivez les traces de sang. Donc, on va suivre les traces de sang.
La Montex. Sérieux, ce jeu. Bon, c'est bien joli tout ça. Vous me dites suivez les traces de sang, mais si je les vois pas, ça va pas le faire. Ah bah ouais, je les vois. Un dossier. Ce qui me ferait marrer, c'est que sans le vouloir, j'aurais eu la vraie fin du jeu. Là, ça me ferait un peu rire, j'avouerais. Ah. Bon, ben suivons le spectre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mensonge. Ok. Combien de minutes? 31. Bon allez, on avance encore un peu et on va arrêter. Comme ça, je pourrais faire une pause pour mon pauvre petit cœur. Bon, il est là-bas. Moi, je tentais d'aller là-bas. Mais on va aller là-bas. C'est là-bas que sont les trucs. Oh merde. Oh fuck. Comment on les passe aux deux? Eh merde. D'accord. Ah il m'a carrément décapité lui. Ah mais non quoi, à peine arrivé je me fais déjà tuer quoi. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter ici. Je veux pas aller plus loin. Je veux pas aller plus loin. Bon. Ah, voilà. C'est un épisode un peu plus calme, un peu plus cool, parce qu'il y a moins de pression que celui de hier. Mais c'était pas glorieux non plus. Bref, bah j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Hein. Bon, on est face aux deux mecs avec les zigounettes à l'air. Hein. Et eux, bah, on peut pas les fuir. Enfin, si on a le malheur de se rapprocher trop près, c'est... plus de tête, terminé. C'est one shot. Donc on verra comment est-ce qu'on va faire pour ça. Je vais essayer de réfléchir à une stratégie dans ma tête. Mais mon avis, faut genre les attirer vers nous. Tous les deux, de préférence. Et comme ça, quand ils sont sur nous, bah, on peut faire le tour et aller directement dans la pièce. Mais bon. Allez, sur ce, mes petits loulous, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, prendre un Kenron, n'oubliez pas d'avoir la... Oui ! Attitude, comme d'habitude, avec j'ai trouvé pas, ok. Vous connaissez la chanson, vous savez, c'est dédicte, je vous lâche un bout de partout. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles et fausses aventures. Ciao, bye et peace !